Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti. Tant coup, l'autre bord de l'eau, jeudi, hein? C'est jeudi 1er février 2024. Hein? Bienvenue dans le premier numéro nous pour le mois de février. Hein? Le journal Créole, nous en collaboration avec VOA Créole. Actualité, madame, monsieur, sous plan international, militants outils avec un nouveau recruteur dans Yémen, préparé une façon et même disposé pour le poter coller ensemble avec un militant Amasio contre l'armée israélienne dans lui-même qui continue à chanter et cléonner coup de balle sous territoire Gaza. États-Unis imposer une nouvelle sanction contre pays Venezuela après un tribunal vénézuélien disqualifié yon candidat dans la course électorale. Alors que gagne président Maduro lui-même qui va gagner pour qu'il capable prendre la parole. Dans l'actualité, dans le pays d'Haïti, maman parti politique EDEO a ancien premier ministre Claude Joseph qui gagne un mandat d'amener qui un mandat d'arrêt de yel lui-même rencontré ensemble avec la presse. Jeudi a pour mander départ premier ministre Ariel Henry. C'est tout point ça yo à divers autres. Nous va gagner pour nous développer pour nous dans journal ça, restez connecté avec nous amis internautes, yo façon pour ka bien informé. Une autre fois encore, gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans développement journal si là. Gros tension dans pays d'Haïti, nous va aller principalement dans Hinche. Gros manifestation, population Hinchland sorti tout côté pour que capable manifester. Gagné plus que 37 bureaux population campé devant yo, mettez caoutchouc boulet côté y a manifesté, y a demandé pour que premier ministre Ariel Henry capable bailler terrain rachet vraiment yo clip pour que lui-même li capable aller dans sens ça. Tout gagné en pile monde qui trouvé dans même ces population ça qui mettez caoutchouc et barré tout côté côté que pour population côté pour Ariel Henry capable ouais et capable tirer la révérence et pour capable quitter pays d'Haïti. Dans la même optique, ça tout gagne en dedans Mirbalin à Jambé Sapio. Yo déployé côté que yo commencé à faire gros entraînement pour que 7 février capable yo réalité. Même Jean que Guy Philippe lui-même le dit et que révolution lui-même moment arrivé pas gagne côté monde capable tant encore. Faut que population lui-même l'arrivé joue une solution ensemble avec un gouvernement sans si ça cap soucié sans population. Et bien en dedans la Scarobas en pile monde tout yo décider pour que capable mettre corps dehors ensemble avec un agent Bessapio et agent Bessapio yo fait connait yo déjà prêt yo disposé et préparé y a tant yon coup de fil seulement non mes chef yo pour connait si pour que capable envahir si pour attaquer pour connait qui ça qui même yo doit faire yo l'autre côté amis internautes gagner gros coup de balle qui pas jamais suspend chanter et ben zam balle ça yo dans zone métropolitaine là mettez gros problème permettre que en pile moun n'est pas capable river capable aller acheter gaz. Ça mettait une véritable tension côté que gaz en vient obligé rare dans zone métropolitaine là. Ça vient permettre que en pile moun pas capable aller dans varre pour capable aller gaz pour distribuer dans pompe. Gagné amis internautes au niveau de la primature information que nous-mêmes nous river gagné plus à cause de révolution ça lui-même qui lancé pour que en pile monde capable mettre cordeau avec en population pour capable al manifester et pour révolter contre Ariel Henry de façon pour que lui-même li capable racher Mayocli. Et ben gagné en dedans pouvoir amis internautes gagné gros mouvement qui déjà annoncé. Et ben gagné partisans pouvoir Ariel Henry yo même yo annoncé que 7 février 2024 yo pral mettre cordeau pour que capable porter soutien yo ensemble avec le premier ministre Ariel Henry pour yon capable et bien saluer courage bravo PM Ariel Henry côté que sous aller directement sous Chadmas en dedans Pétionville ensemble avec un bloc Delma pour yon capable porter coller avec président pour montrer comment que lui-même il a fait un bon travail alors que gagné premier ministre Claude Joseph lui-même qui gagné un mandat d'arrêt derrière lui comme quoi que c'était un monde qui a participé dans assassinat ancien président Jovenel Moïse, eh bien, lui-même ensemble avec
toute partie politique EDA, yo même yoté déployé jeudi pour capable bailler yon conférence de presse. Eh bien leader EDA, mi s'est annoncé zanmi internaute, li pa yon l'autre, c'est pas l'autre bagalier, c'est premier ministre Ariel Henry qui doit bailler talon yon façon pour que population capable râler yon souffre. Eh bien l'idée a profité pour le faire connaître yon nan moun qui t'a participé nan assassinat ancien président Jovenel Moïse, li pa l'autre que premier ministre Ariel Henry. Il annonçait tout nan tête collée ensemble avec plusieurs autres partis politiques dans opposition, di annoncé gagner 3 jours de mobilisation qui pral gagner contre Ariel Henry, c'est lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 février 2024 là, c'est pral 3 jours d'emblée côté que population ou même yo pral mettre corps dehors ensemble avec toute l'autre équipe qui disposée pour voter coller pour faire révolution pour courir derrière Ariel Henry pour qu'il capable quitter pays d'Haïti. De l'autre côté, il y a plusieurs monde amis internautes qui vivent jeune dans moyo pendant hier bon pour ouvrir matin dans rue du Centre pour dans rue du Centre derrière l'hôpital là Saint-François de Salla et ben 4 moun sa yo qui rivaient mourir gagnent ou jeune en tête plusieurs là-dedans qui rivaient couper tête là on bord et quoi on bord ça arrivait vérité yon problème en dedans zone métropolitaine là dans même cadre insécurité ça gagnent deux moun nan rue Caroline nan bloc Crissoa yo rive jwenn nan ki mouri c'est dans même cas de figure ça côté que question assassinat c'est tout côté ou jwenn nan moun ap mouri nan pays d'Haïti et ben gagne tout nan bloc Torsel ensemble avec zone dans bloc Torsel ak plusieurs l'autre zone environnée aux amis internautes épernier jeune base 400 maozo yo pas jam suspend dans semaine la terreur côté yo déjà attaqué base vite l'homme nan qui s'est crassé barrière et ben qui perdit force et qui devine paraître faible devant base 400 maozo yo rivé touyer environ 15 moun et gagné yon monsieur et bien lui-même qui c'est yon agent sécurité yon l'école dans bloc Torsel épernier lui-même qui côté que nèg yo pété deux yeux li même li a vive mais yo choisi pété deux yeux là et bien yo aller situation li paraît vraiment compliqué pour en pile moun jan ke tout moun a observé nan pays d'Haïti. Madame mademoiselle et monsieur, 7 février arrêté yon date vraiment qui rete nan tête tout moun. En pile moun choisi pa voye petit yo l'école, en pile moun tout choisi pa mette pied nan travail parce que question révolution ça en pile monde a posé cette question qui joue li capable exactement mais gagné rebelle là qui c'est Guy Philippe lui même qui pas décidé bah qui joue révolution ça lui même li a fait parce qu'il fait connait révolution li pas fait dans bouche révolution c'est à terre que lui même li fait et bien tout monsieur Bessapio yo déjà fait comprendre yo paré pour que capable porter couler pour que capable retirer Ariel Henry côté que lui-même l'ichita et bien sous fauteuil ça et bien gagné Guy Philippe lui-même beaucoup de parle il continuer pour dire c'est une révolution qui pas gain date mais pour en pile monde dans 5 communautés nationales là vous faire comprendre que 7 février ça c'est une date inoubliable c'est une date historique qui au même y a tant pour ouais est-ce que c'est avant ou bien après 7 février révolution ça lui-même li a fait nous praler dans Moyen-Orient amis internautes guerre Israël Hamas li toujours a continuer pendant Israël lui-même il décidé pour qu'il capable et bien touyer depuis ces militants Hamas qui gagnent dans Gaza et bien gagnent malgré gagnent grand goût malgré gagnent problème humanitaire dans Gaza et bien en pile l'autre côté t'a décidé pour te coller pour te soutien humanitaire ensemble avec Gaza mais Israéliens eux-mêmes yo pas ba chance pour que yo capable porter soutien ensemble avec militants yo et bien gagnent militants outil dit même beaucoup de parlent ensemble avec un nouveau recruté yo dans Yémen yo fait comprendre yo préparé et yo disposé pour que capable porter coller ensemble avec un militant Hamasio pour capable et bien boucanter coup de balle ensemble avec l'armée israélienne qui continue à cléonner balle sous Gaza et bien dans sens ça Jean que monsieur Outillo militant Outillo ensemble avec recruté yo yo fait comprendre à n'importe quel moment Hamas lui-même lui fait comprendre que yo préparé et yo besoin pour yo besoin aide yo déjà disposé ou capable venir pour faire yon seul pour capable et bien faire différence là ensemble avec l'armée israélienne parce que yon quantité moun comme ça yé bien parler
Palestiniens n'ont pas arrêté pour y mourir en bas coup de balan, en bas coup de balan, l'armée israélienne. Fok yo même yo fait tout ça qui dépend de yo pour qu'ils soient capables et bien poter couler ensemble avec moun Gaza yo, yon façon pour que l'armée israélienne lui-même li capable retourner sous décision là. Gagné États-Unis lui-même qui prend une décision formelle pour eux-mêmes. Eh bien, États-Unis lui-même lui imposer une nouvelle sanction sous pays Venezuela et pour que pays et président Nicolas Maduro lui-même lui a dirigé. Eh bien, décision ça lui-même lui prend, c'est une sanction contre Venezuela après un tribunal vénézuélien lui-même lui eh bien après tribunal vénézuélien lui-même disqualifié un candidat sous course électorale. Et bien, comme quoi que candidat lui-même, c'est pas ta youmoun qui t'a qualifié pour que lui-même soit capable d'aller dans l'élection. Président Maduro qui entre bouché dans Kosea, malgré qu'un pile moun qui t'a fait quoi que président Maduro, il y a tout bagay nan men lan, et bien sanction ça, sa, côté que États-Unis lui-même li prend contre Venezuela, est-ce que lui-même li pral rete bouche bée, est-ce qu'il pral rete garder États-Unis comme ça, parce que population faut que même yo vivent, rapport ça rappeler que gagné plusieurs années qui te gagné déjà, côté que Venezuela te gagné, yon embargo sous dol côté États-Unis pas jamais vle disposer level, et lorsqu'il te levé embargo ça, c'était quelque content. C'était tout le monde qui est vraiment joyeux et non on a parlé à et bien gagné nouveau sanction ça qu'elle lui-même les prend ça a commencé par un monde en pile problème et en pile monde a demandé pour que Nicolas Maduro foue bouche dans cause à plus rapide et puis vite de façon pour sanction ça lui-même les capable soutenir sous dos peuple vénézuélien. Voilà madame, mademoiselle, dit monsieur, c'était un plaisir pour nous-mêmes pour que nous capable et bien porter toute information ça pour vous sur gros réseau qui c'est Papa de Saline avec un ami ou dirige Restal. C'était un plaisir. N'a quitté ensemble avec La Voix de l'Amérique avec confrère nous pour plus de détails. Jacques Lambelizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous présenter un programme dans langue créole. Haïtien, moi c'est Jacques Lambelizer. Quelques grand point cap dominé actualité. Actualité internationale, militants Houthis ak nouveau recruté dans Yémen disposé à poté collé ak militants Hamas contre l'armée Israël qui continue à pilonner Gaza. États-Unis imposé nouveau sanctions contre Venezuela après un tribunal vénézuélien disqualifié un candidat dans course électorale là. Nous va gagner entre autres réaction président vénézuélien Nicolas Maduro. Et puis dans pays d'Haïti, parti aidé ak tout ancien premier ministre Claude Joseph qui gagne un mandat d'arrêt d'Ariel rencontrer la presse pour demander départ premier ministre Ariel Henry. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore que nous pourrons développer pour dans un petit moment. Jeudi, c'est jeudi 1er février 2024. Merci d'être choisi VO Acrol pour informer vous. Nous souhaitons nous tous passer un bon mois février. Actualité à peine nous d'abord dans la région Moyen-Orient. Oui, actualité à concernant la région Moyen-Orient, c'est guerre Israël à Mastakap continue. Militants Houthis ak nouveau recruté dans Yémen disposé à le poter coller avec militants Hamas dans Gaza pendant ce temps et l'armée israélienne continue à pilonner Gaza. Gentil Augustin Junior gagne une mise à jour. Nouveau recruté Houthis dans Yémen ak l'autre membre fait yon parade dans Sanaa jeudi 1er février 2024 là pour montrer zamyo et puis di y a pote sipo yo pour palestinien dans Gaza. Yon l'autre côté, population gazaouia commencé à inquiéter pour conditions humanitaires yo si toutefois donateur yo ta coupé totalement financement agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo. Moi pense li lè pour communauté internationale là ak États-Unis li même que mission UNRWA doit fini. Moun ki déplacé nan Rafa, jeudi 1er février ya, te exprimé gros inquiétude yo après premier ministre israélien yan Benjamin Netanyahu te mandé à hier mercredi 31 janvier ya pour fermer UNRWA. Si aide la coupé, peuple palestinien pral mouri grand goût et situation pral déplorable. Nous mandé frère nou yo nan Nations Unies, UNRWA pour yo continuer aider peuple palestinien
parce que yo a plaidé déplacé et puis yo sans kay. Pendant Palestinien yo a inquiété yo pour condition humanitaire yo dans Gaza cap aggravé, l'armée Israël la dit jeudi ya que troupe li yo touye plusieurs douzaines terroristes. Nan jou ki sot passé ya nan bataille nan région Gaza. Yon l'autre côté, groupe armé Hamas la publié yon vidéo édité hier mercredi 31 janvier ya qui montre affrontement ak soldats israéliens yo nan Gaza. Reuters te kapab konfirme kote vidéo a sorti ak sin building ki tout près ak poteau électrique ki semblé ak image satellite la. Nan même mercredi 31 janvier ya, militaire israélien yo te publié yon vidéo ki montre soldats yo ki te blessé. Yo tap évacué nan hélicoptère nan Gaza. Pendant la guerre a intensifié dans région Gaza entre l'armée Israël la ak groupe armé Hamas la, nouveau recruté outil ak l'autre mambio te fait yon parade dans Sanaa jeudi 1er février ya pour montrer zam yo et puis di y a pote support yo pour Palestinien yo. Des centaines milliers yémeni paré pour voyager dans Palestine pour pote support yo ak frère Mujahidin nou yo dans Gaza pour combattre occupation israélienne. Nous paré tout pour n'importe mission. La guerre dans Gaza te commencé les militants Hamas qui sorti dans Gaza te envahi site peuple Israël là 7 octobre 2023. Touye 1200 moun ak 240 otages d'après officiel Israël yo. Nan réplique la mais Israël la ak attaque ça au moins 27019 Palestiniens getan mouri ak 66139 blessés d'après sa ministère santé Gaza te di jeudi 1er février 2024 la. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. N'après toujours dans actualité concernant région Moyen-Orient, surtout concernant guerre entre Israël avec Hamas là, gain sous-secrétaire général Nations Unies pour affaires humanitaires dans Nations Unies même, il fait un plaidoyer devant Conseil sécurité pour demander donateurs pour pas couper financement yo bay agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens UNRWA. Valerio Saint-Louis. Nations Unies dit que la prend action rapide pour mener bon gens enquête sous accusation que porté sous dos employé Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens qui relait tout UNRWA et qui selon accusation que mettait sous dos employé agence là a participé dans attaque terrible ça qui était faite dans date 7 octobre là sous peuple Israël là. Martin Griffiths, sous-secrétaire général Nations Unies pour affaires humanitaires, te prend la parole devant Conseil sécurité a hier mercredi 31 janvier. Il était dit que une enquête déjà sous pied. Firmly one of those appalled by the allegations, the accusations, and not the accusations, but the idea that some UNRWA employees were allegedly involved in the attack of Israel on the 7th. Moi c'est un nan moun qui saisi en pile de accusations sa yo, allégations sa yo, pas accusations, mais l'idée que quelques employés agence UNRWA ta soi-disant participé dans attaque contre peuple Israël là dans date 7 octobre là, moi ouais film ça déjà. Allégation ça yo, j'en ou t'étendé secrétaire général a te dit hier, yo pral bien vite garder yo et yo pral adresser yo avec transparence et agence UNRWA te prend action rapide pour joindre preuve sous accusation ça yo. Et puis yon investigation déjà sous pied. Martin Griffiths a averti la communauté internationale là que camper financement agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens ou UNRWA pral seulement fait palestiniens plus mal. Griffiths a dit: Our humanitarian response for the occupied Palestinian. Réponse humanitaire nous pour territoire palestinien occupé complètement dépend sous financement adéquat et opérationnel de agence UNRWA. Service pour sauver la vie moun que agence UNRWA a bayo, Jean Empile état membre te mentionné hier, touché plus passé 3-4 résidents Gaza yo. Service sa yo pas ta doué affecté par accusation que soi-disant action quelque moun ta fait. C'est une question de disproportion extraordinaire. UNRWA's life-saving services. Réponse humanitaire nous pour territoire palestinien occupé dépend complètement de l'agence UNRWA qui finance et qui a bien fonctionné. Et nous te mettons à assurer nous que nous tous prêts à faire tout effort nous pour essayer de faire ça arriver d'une façon qui satisfait les conditions dans la neutralité et l'assurance pour les gens qui sont intéressés, qui donc donateurs. Capacité agence communautaire humanitaire pour arriver à joindre les gens dans Gaza et bailler au secours était totalement insuffisant. Sous-secrétaire général des Nations Unies pour affaires humanitaires Martin Griffiths fait un plaidoirie, mandé tant pris souple pas couper financement l'argent.
Et il a insisté tout sur la nécessité pour élargir point d'accès dans Gaza aux gens pour permettre plus d'aide sortie dans le pays l'Égypte et Israël pour venir porter les gens au secours. On a rappelé que l'accusation qui était faite contre employé agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens a poussé les États-Unis et plusieurs autres pays freeze, bloquer l'argent qui est important en pile pour l'agence humanitaire qui est un sauveur pour les Palestiniens qui sont même désespérés dans la zone Gaza. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'autre point dans l'actualité internationale. Là, les États-Unis qui imposaient nouveaux sanctions contre le pays Venezuela après un tribunal disqualifié un candidat dans l'opposition dans la course électorale. Jean-Robert Philippe a suivi de très près pour nous dossier ça. Et Jean-Robert Philippe, et t'as semblé que déjà gain réaction, notamment président Nicolas Maduro qui déjà réagi sur ce sujet ça. Effectivement, Jacques, j'en dis, la décision de l'administration américaine prend en fait, il vient créer un problème sous des tentes qui ont commencé à gagner entre deux pays, sous affaire otage, bourrantage, prisonnier qui ont commencé à gagner. Mais qu'on y a même le président Maduro en réaction avec sa administration en fait sanction, mais lui-même dit que lui-même dit qu'il doit même camper sous décision qu'il prend pour lui accepter. Et immigrants que les États-Unis ont déporté à Bali, si c'est comme ça, il n'a pas amélioré. Donc, son dossier qui est vraiment chauffé, et ça arrive exactement dans le moment où Venezuela paraît une élection qui t'a semblé pas de participation opposition à la donne. Sanctions administration américaine imposée sur une compagnie mine Venezuela mettait leader et les autorités PIA devant un choix. Permettre déroulement une élection compétitive ou bien faire face à conséquences économiques. Comportement président Maduro a pris annonce sanction yo semblé lui préférer faire face à conséquences économiques plutôt. Tellement vrai, leader vénézuélien chante louange pour décision pigot tribunal pays apprend pour écarter dans élection principal rival Maria Corina Machado. Nothing is going to stop me. President Maduro déclaré a gagné cap camper même pour lumière rouge moi pas camper. M'a continuer gourmet, m'a continuer protéger nous. Je continue de diriger le pays à support du peuple vénézuélien. Position ça a une conséquence pour ni États-Unis ni Venezuela. Le président Maduro, qui supporte la décision pour disqualifier Rivali dans l'élection, est capable de souffrir en pile à cause du besoin de l'argent pour du pétrolier. Défi ça, capable d'affecter plus toujours la souffrance population. Venezuela, c'est le pays qui a plus de monde qui est déplacé dans le monde là à cause de la crise. Plus passé 7 millions de Vénézuéliens partis quitter le pays pour aller surtout aux États-Unis dans les dernières dizaines d'années qui passaient. La Maison Blanche fait qu'on a un régime à droite et promettre pour faire réforme en 2023. Et il espérait la respecter pour mettre ça. Le Maduro régime a fait des commitments back in the fall. John Kirby, directeur de communication et stratégique du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, parlait pour dire que le régime Maduro a pris engagement l'année passée pour élection honnête et juste déroulée dans le pays avec participation active opposition. Il y a jusqu'à la saison printemps pour mettre en application l'engagement ça. On a observé avec un peu d'attention. Cependant, Maduro demande Washington d'une façon différente. Le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, considère les États-Unis comme un pirate. Candidat EKTA, Maria Corina Machado, fait remarquer 3 millions d'électeurs supportés dans l'élection primaire mois octobre passé. Donc, il considère la décision tribunal la prend pour retirer l'encoussa comme une délinquance judiciaire. Moi, je représente la souveraineté populaire. Je ne suis pas capable de faire l'élection sans moi-même, non plus tout, sans participation plusieurs millions de Vénézuéliens qui ont voté pour moi dans l'élection primaire. Est-ce que Washington a continué à mettre pression sur Maduro ou bien est-ce que le président Maduro lui-même a quitté le pays à plonger dans la crise économique là? Analyse n'a pas d'assurance. We're in a situation where Maduro is getting almost everything he wants while the US in return. Eddie Acevedo, chef personnel Wilson Center, qui a parlé dans Zoom, déclaré, nous trouvons dans une situation côté Maduro presque une toute salivée, pendant que les États-Unis pas jouent en pile, qui n'est pas bon pour cause de liberté et de démocratie au Venezuela. Moi, j'ai pris imposer nos sanctions dans tout niveau et contre le gouvernement qui est des régimes. Non. Pendant que Caracas gagne jusqu'en avril pour envisager possibilité ça, et puis fixer une date pour l'élection, quelques Vénézuéliens ont continué de supporter le président Maduro pendant qu'un pile l'autre a marché dans l'autre direction. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington.
Merci Jean-Aubert. Et actualité à peine nous dans Washington, côté responsable Meta, TikTok et l'autre réseau social témoigné dans une audition Piment Book Sénat États-Unis sous exploitation Timoun. Un reportage Sandra Lemaire. Prédateurs sexuels, fonctionnalité addictive, suicide avec troubles alimentation, standard beauté qui pas réaliste, intimidation, c'est quelques parmi problèmes qui tracassent ces jeunesse-là sur les réseaux sociaux. Militants qui défendent droits timounio et parlementaires américains ont dit compagnie qui gérait les réseaux sociaux pas fait assez pour protéger timounio. C'est comme ça, mercredi, PDG Meta, TikTok, X et l'autre réseau social ont témoigné devant la commission judiciaire Sénat. Audition en temps main avec témoignage yo té enregistré côté Timounio ak parents yo raconté ki jan yo exploité yo sur réseaux sociaux yo pendant audition qui durait plusieurs temps parents qui perdit petit yo à cause suicide té kembe en silence photo défunt petit yo. T'es gagné en session question-réponse bien chauffée avec Mark Zuckerberg, qui c'est PDG Meta, côté sénateur républicain Josh Hawley, qui représentait État Missouri, t'es demandé s'il y compensait personnellement aucun parmi victimes ou acte familial pour miser au passé à. I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Zuckerberg te répond li pa kwè et puis sénateur a demandé pour qui ça est-ce que li pa kwè yo mérité pour réseau a compenser yo disposé service conseiller qui travaille avec Timoun pour yo aider yo faire face avec problème réseau ça yo causé. Leading tools to find harmful content, take it off the services and to build tools that empower parents. Parents qui t'ai assisté audition hein, levé campé et puis montré photo petit yo. Zuckerberg t'ai campé tout et il t'ai fait face à yo pour parler avec yo directement. Il dit au moins regret trahi nous passé. Personne pas t'a dû souffrir, qualité bagaille famille nous souffrir. C'est peut-être ça nous investir en pile, nous investir espoir nous, à gros effort nous tout, pour nous assurer que ça pas arrivé. Personne pas voulu ou est aucune famille souffrir, genre que famille nous souffrir. Cependant, pendant toute audition, militants cap défendre droit timoun yo ak paran yo te souligné que aucun parmi compagnie technologie yo pas fait ça assez. Sénateur Hawley mettait pression sur Zuckerberg et puis mandé s'il prend responsabilité pour dégâts compagnie li causé. Monsieur te répété pour dire travail Meta c'est créer des outils qui bay paran yo pouvoir pour yo gérer problème ça yo. Sénateur républicain Caroline du Sud, là, Lindsey Graham, qui s'est même pire placé commission judiciaire, t'es poté collé avec sénateur démocrate Dick Durbin pour dire que lui paraît pour travailler avec démocratio pour résoudre problème là. Il dit PDGO, plateforme yo enrichi la vie moun, mais qu'on y a, il a pour faire face à côté semblant. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer aux actualités dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être branché VOA Creole. Quand nous parlons dans le pays d'Haïti et côté dans Port-au-Prince, leader parti politique aidé, ancien premier ministre Claude Joseph qui gagne un mandat et d'arrêt d'elle, eh ben il rencontré avec la presse côté que il lancé un mouvement mobilisation contre premier ministre Ariel Henry. Massado Villemay était sous place. Aidé lancé dans tout le pays. Mobilisation 5, 6, 7 février 2024 pour capoter pouvoir sanguinaire, pouvoir manfoubin, pouvoir insouciant Ariel Henry à diriger. Lancement mobilisation pral commencé devant résidence officielle Premier ministre Ariel Henry. D'après ça, ancien chancelier haïtien annoncé. Parti politique aidé avec plusieurs autres organisations partenaires décidé lancer mobilisation lundi 5 février qu'a venu là à 11h du matin
parti politique aidé invité peuple haïtien dans une grosse mobilisation devant Primati sous Boudon Kafoumiso. Pour nous dire, monsieur Ariel, temps fini. Pour nous dire, pouvoir sanguinaire, nous pas capables encore. Pour nous dire, 7 février, pas de route, pas voie. Ancien Premier ministre, Claude Joseph, dressé un bilan négatif par rapport à la mauvaise gestion du gouvernement Ariel Henry dans le courant de l'année 2023. Dans cette année 2023, il y a plus de 5 000 personnes qui mourent. C'est déjà plus de monde passé la guerre Ukraine avec la Russie. Dans cette année 2023, il y a 300 000 personnes qui sont déplacées, qui quittent les cailloux, qui n'ont pas de côté pour dormir. Si fille et femme y a violé, classe moyenne là qui fin dé pas fini. Peuple haïtien pas capable. D'après quelques observateurs, c'est pas toute partie ak organisation politique dans vie nationale pays qui d'accord avec démission gouvernement en place là 7 février qui a venu là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Revinme pour VOA Créole. Notre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, eh bien, grand pile coup de zam cap chanté dans divers quartiers capitales là, une situation qui la cause un ratement gaz parce que camion citernio des difficultés pour y aller faire gaz dans terminal Varoua qui trouvait dans zone Cité Soleil. Yves Manuel. Malgré présence force l'audio dans certains quartiers dans région métropolitaine Port-au-Prince, gang Améo passe span marié coup de zam matin midi soir. Situation trouble ça a une gros conséquence sur citoyens au cap couri dans toute direction pour chaper polio en babal bandi. Mettez sous ça pompe gasoline commencé rempli raison camion citernio a une difficulté pour aller faire gaz dans terminal pétrolier Vareux qui situé dans voisinage Cité Soleil côté bandio a troqué cognio. Situation ça pas nouveau c'est vrai mais li paniquer citoyens qui pas connaît qui ça qui va le passer dans date 7 février qu'a rapproché là. Yon l'autre côté, certains établissements scolaires est en prend disposition pour fonctionner en ligne. C'est cas Sainte-Rose de Lima qui gen ti non jouet li mais la lu qui décidé suspendre kouyo en présentiel depuis mercredi 31 janvier 2024 là. Décision ça a venu après yon bal marron té atterri sous la cour établissement. Heureusement, pas de gain victime. Pendant temps ça, au commandement police nationale d'Haïti a multiplié rencontre li yo avec partenaires internationaux dans l'idée pour joindre bourade nécessaire pour couper phénomène insécurité qui mettait citoyens dans une situation difficile chaque jour plus. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis concernant crise dans Bessapla, gain ancien colonel Himmler Rebu qui sont spécialistes dans question sécurité qui mandé gouvernement pour prend responsabilité Renato Toussaint depuis Port-au-Prince. Depuis lundi 29 janvier 2024 passé, aucun agent brigade dans sécurité air protégé BESAP pas autorisé circuler avec zam ak en uniforme dans grande ville à travers pays d'Haïti sous aucun prétexte, y a bien pour rester seulement zone l'état haïtien déclaré air protégé yo tant coup par exemple forêt des pins. Gouvernement haïtien qui adopté mesure ça fait connaître que c'est pour améliorer le climat sécuritaire paysan et ramener l'ordre et tranquillité pour tout haïtien et haïtienne. Démarche ça a provoqué en pile controverse en dans société haïtienne et suscité réaction de côté certains spécialistes dans le domaine sécurité parmi eux ancien colonel Himmler Rebu. C'est le gouvernement qui tout connaît existence, les fonctionnements attribution le côté le fait pour dire côté le fait pour parler gouvernement va même gain pour parler si le web ça dans la rue ce n'est que voyer une note administrative pour corriger ça c'est quand vous t'a dit ou est patrouille dans la rue et puis chef la police t'a dit patrouille pas rien droit prendre la rue donc si patrouille prend la rue c'est que c'est chef la police t'a metté si on prend la rue en dehors de l'ordre c'est que on perdu on sorti sous contrôle chef de la police là donc il dit nous bon désordre dans tête l'état. Pendant ce temps, le gouvernement haïtien a publié un arrêté mardi 23 janvier 2024 là, qui créait une commission technique restructuration agence nationale air protégée ANAP. Premier ministre Ariel Henry, via ministère environnement,
mandé tout employé à tout monde qui attaché en dans institution pour yo rapporter yo dans bureau ministère environnement qui puis prier dans intention pour capable enregistrer non yo pour capable régulariser situation oui dans tout ça pour VOA créole Port-au-Prince. Et bien, on dit que l'ancien colonel Himmler Ubu lancé un pinga une autre fois encore concernant déploiement et policiers Kenya dans le pays d'Haïti. Et puis, nous parlons de la canal là, il y a un ingénieur qui travaille dans le canal là, invité tout agronome dans le pays pour venir poter coller en même temps tout pour lui demander pour travailler pour aller plus vite. Pendant cette construction canal là, a continué Jodl Junior Saint-Ville. Le gros mouvement levé campé qui gagnait dans ville Wanamet dernier jour c'est là yo travail construction canal irrigation rivière Massacre pas campé bon sur continuer à mettre gabion dans débord rivière mais ça pas empêché ingénieur Claude Louis mandé pour travailler aller plus vite parce que d'après lui yo ta doit déjà quitter tête canal là pour yo commencer capter de l'eau. Ingénieur Claude Louis. Eh bien fais ça nous pour nous faire au plus vite que possible. Et tout adresser message là à comité hein. Voyez boss gabion yo fini ti quantité gabion qui restait là pour que nous capable continuer travail là. On fait canal d'irrigation. Nous pouvons faire captage. Or sans captage pas gain irrigation. Or nous pouvons faire aucun canal secondaire. Plus activé et plus motivé pour que nous capable fini travail là. Faut que nous commencer captage là. Faut nous commencer canal secondaire et même canal tertiaire. Puis loin ingénieur Louis fait connait faut gagne un traitement qui fait dans tête canal là. Poser la question, qui traitement ça y est, ingénieur Claude Louis te répond comme ça. Dans tête canal là il y a un bagage pour nous faire. Il y a un petit crépissage nous supposé faire. Mais crépissage ça, c'est une sorte de traitement lié. Traitement ça, mais qui ça lié? C'est pour nous empêcher de l'eau à filtrer en demi en mine. Jodle Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Et puis, jeudi, c'est jeudi. Donc, chaque jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause et Femme. Et bien, côté Jean-Marc Hervé Abella, recevoir Sandra Supreme et yon avocat immigration. Cassandra Suprême, c'est un jeune haïtien-américain qui fait dans la cour New York et qui grandit dans le pays d'Haïti, qui est maman et papa haïtien. Cassandra fait toute étude classique, car elle a fait quelques jours en Haïti. Après étude classique, elle retourne dans New York à côté de rentrer dans John Jay College of Criminal Justice à Manhattan, dans New York, pour plus souvent, pour étudier droit dans Franklin Pisa Law Center dans Concord, New Hampshire. Jodi a, Cassandra Cyprien c'est un avocat immigration et lui explique dans cause des femmes qui ça qui te fait décider de venir dans un avocat immigration. C'est ma maman qui fait me choisir. pas vraiment penser à domaine immigration, mais penser avec droit international. Je voulais travailler pour les Nations Unies et puis représenter les Haïtiens à différents niveaux, peut-être dans l'OAS, Organization of American States. Mais moi, je me suis entré dans l'immigration et puis je commençais à faire tous les stages dans l'immigration. Et puis à la fin, je viens d'intégrer une organisation non gouvernementale, Catholic Legal Service, et puis je viens de ramener une organisation en pile, puis moi qui travaille avec les Haïtiens. Et puis c'est là que je me suis tout arrêté et puis je viens de ramener en pile. 7 septembre 2021, il est rentré dans l'American for Immigrant Justice pour le travail. Côté Libye, conseil, fait formation pour immigrants et les représenter dans le tribunal à immigration. Pour mettre Cassandra Suprême, plus grande difficulté qu'il a rencontré dans le travail, c'était les jobs. Le problème que moi qui est difficile, spécialement dans la communauté, c'est l'information. C'est les jobs qui n'est pas correct. Mauvaise information dans la communauté. Depuis autant de choses, ils ont changé, ou bien ils ont essayé de monde, ils ont un avocat, ils ont parlé avec avocat, autant de monde dehors, etc. Grand pile difficulté au côté besoin gain difficulté personnelle yo et puis gain difficulté immigration yo difficulté personnelle yo le plus souvent affecté en difficulté immigration parce que grand pile nan yo malheureusement là au vin dans pays a c'est la ka moun yo descend yo besoin côté puis yo besoin travail et puis le plus souvent yo focus sur quatre travail là le moment gain quatre travail là ou pas essayer continuer avec processus pour ka gon papier permanent. Conseil mettre là pour compatriotes liyo. C'est pour haïtiens qui sous frontière Mexique États-Unis hein, cap essayer rentrer illégal dans pays États-Unis sans pas faire CBP 1 là. Mon cap essayer rentrer aux États-Unis, qu'on y a conseil, un processus pour rentrer à travers CBP 1.
continuer avec le processus CBP1. Raison pour laquelle il faut qu'on soit éligible pour asile et puis deuxièmement, on gagne 4 travail. Les gens qui peuvent entrer sous CB, sans CBP1, qui ne peuvent pas tout payer, ils entrent ici, ils ne peuvent pas même gagner 4 travail. Quand ils viennent coller là, ils garantissent que quand ils apprêtent, ils ont un moment à boucler avant. Tout autant pas contribuer. Qui n'ont pas contribué sur un cas de travail. Ça, c'est une. Deuxièmement, loi a changé. Dans le point de vue que si on peut entrer sur CBP1, sur un bail à couler là, on peut pas éligible pour asile. Même asile, on peut pas demander. Et si on peut demander, si on peut éligible pour asile, on peut quand même gagner un cas de travail sur asile. Ou coller. Ou pas gagner dans le monde. Mais tu peux demander, tout immigrant, avant de prendre un avocat qui peut travailler pour vous, faut que vous cherchez connaître qui est avocat ça y est. Jean-Marc Verbilla, Miami, ou VOA Creole. Merci Jean-Marc Hervé Abela. On a rappelé que eh ben, programme et Cause Femmes passe chaque jeudi côté que nous baille Femmio la parole. Nous pratiquement arrivé dans fin programme dans Abdou que eh ben faut toujours capter nous toute plateforme que nous gagnons et fond du tout et dans football féminin mesdames yo calé jeudi à 2-1 et Jean-Aubert a vina plus de détails là dans live. Jean-Aubert l'a dit nous plus de détails sous question Haïti. Et puis nous connaissons la Coupe d'Afrique des Nations, Cap et Valais Terrain. Donc nous avons suivi de très près pour la situation. Donc nous pratiquement arrivés dans le fin programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. On dit que dans New York, il y a une belle exposition peinture qui relait Love from Haiti. Et glorieuse Nelson Abguin pour venir parler de ça. Mais patientez dans l'autre programme. Donc merci gentil. Merci gentil pour le service qui était ça a les chefs de pupitre. Et puis Franklin, bons amis Haïti, sans oublier toute l'autre équipe là, Jean-Robert Philippe, Sandra Lemaire et puis Fred Kaimit qui l'autre boa. Et puis pas oublier, donc demain, on a cassé rendez-vous encore. Demain, c'est Jean-Robert qui a pris pour le présenter. Rendez-vous info, moi-même, on connaît maintenant la rue. Donc rendez-vous vers 3h, moi-même, 2h30, 3h, on a pas même dans la rue. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Bonsoir, c'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous te avoir. Donc fais frais du pas bon ici. Moi, c'est Jacqueline Belizère. À demain.